Ami du pad, bonjour. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est Dieu de la paye et cette fois-ci, je fais une vidéo commentée. Parce qu'on me l'a demandé et en tant que bon prince, j'aime exaucer les souhaits de ceux qui me suivent. Donc là, on se retrouve pour Space Ops The Line, comme vous voyez à l'écran. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. Il faut savoir que je fais comme maintenant là, je suis en train d'enregistrer une vidéo. En fait, je commente en même temps que je joue. Donc voilà, j'enregistre pas le gameplay et après j'enregistre ma voix, commentaire. Donc non, je fais tout ça en même temps. Je trouve ça mieux et au moins vous aurez les émotions en temps réel. Donc on va commencer. Alors l'histoire, hein. Je crois que c'est Dubaï, il a été envahi par les sables, comme on peut voir ici. Donc les gens ont peu à peu péri, on va dire. Et donc des commandos ont été envoyés pour aider un peu la population. Mais plus de nouvelles d'eux. Donc on reçoit une équipe de l'armée américaine, je pense, hein, a reçu un message radio et donc il nous a envoyé nous, je sais pas combien on est, on verra bien. Déjà il faut régler ça. 4 je crois. 3? Je sais pas, on verra bien. On est trop grand là. Donc oui, on a capté un signal radio. Et en tant que soldat, ben on nous envoie pour essayer de rechercher des survivants. Donc voilà le petit pitch en 2 secondes. Mais bon, on va découvrir ça en même temps. Campagne. On va le partir. Mettre ça. On verra bien ce que ça donne. Donc c'est un jeu à la troisième personne, un peu comme Ghost Recon. Et donc j'ai aucune idée du gameplay, comment ça joue. Comme je l'ai dit, je découvre en même temps que vous. C'est un canon de montrer. Et voilà! Attention, c'est pas fini! Je les vois! C'est pas mal. On peut dire qu'on rentre dans l'action direct. Pas de préambule que ça.
Précédemment. Ok. Ouais, graphisme. C'est pas trop ça. Si John Conrad est le plus C'est un grand peu homme avec pâteux, qui quand j'ai même. servi, À première vue. je sais pas. Je me rappelle une fois à Kaboul, il a traîné ma carcasse sur une borne jusqu'à l'hélico des vagues. Ouais, ça a dû m'influencer. Mais les faits sont là. Ce type est un vrai héros. Vous vous souvenez quand les premières tempêtes ont frappé? Vous deviez être chez vous, bien tranquille, devant la télé. Eh bien, Conrad et les damnés du 33e quittaient l'Afghanistan. Au lieu de rentrer chez eux, ils se sont portés volontaires pour aider à l'évacuation. Et vous, vous avez envoyé un chèque. Apparemment, Conrad aurait reçu l'ordre de quitter la ville. Il a refusé d'obéir, et le 33e l'a suivi. Bon, l'histoire officielle est encore un peu vague sur la suite. Mais ce qu'on sait, c'est que les tempêtes ont empiré. Vraiment empiré. Aux dernières nouvelles, Conrad guidait un groupe de survivants pour essayer de leur faire quitter Dubaï. C'était il y a 6 mois. Raconter l'histoire à une voix off. Il y a 2 semaines, un on a peu capté comme une pour les transmission. Documentaires animaliers. Le colonel John Conrad, de l'armée américaine. La tentative d'évacuation de Dubaï est un échec. Les pertes, trop nombreuses. Une vidéo découverte hein, de ce jeu. Mais je pense que je vais en faire un Integral Gaming. Ou un World Truth, ou un Let's Play. Hey chef, moi j'aime bien Integral Game. Qu'est-ce qu'il y a, Lugo? Ça sonne bien. Il y a un problème, chef. Un problème crucial? Donc, non, chef. Dorénavant. Alors fais-le remonter, sergent. Tous les jeux en entier que je m'en ils s'appelleraient Integral Gaming. Bien entendu, sergent. Quel est ton statut? Je dirais irrité, chef. T'as dit irrité, sergent? Oui, chef. Une attaque aérienne locale a infiltré la zone américaine formée par mon Falzar. Chef! La ferme, débile. Messieurs, bienvenue à Dubaï. Bon, il n'y a rien. Ça reste à voir, sergent. T'as localisé la transmission? Béville. Oui, chef, à environ 800 mètres. Visiblement. Alors, dans pas 800 dans le mètres, jeu. On saura enfin qui est le plus merdique. Toi ou cette info? Waouh! Si j'étais pas une vraie machine à tuer, j'aurais pleuré. Parfait, n'oubliez pas, l'endroit est considéré comme un no man's land, donc on n'est pas censé être là. Va falloir suivre le non, protocole, faut ok plus dire, ok, super. Ok, planquez-vous. Prenez vos viseurs. Du mouvement? Non, RAS. Bien. On peut pas se présenter. On va changer d'arme. Ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. Allez, faut trouver le moyen de descendre. Ça marche. Oh, dommage. On peut enjamber. Oh d'accord. Ah si. J'ai cru que je m'étais trompé de touche. Ça suffit, Lugo. C'était pour rigoler, boss. Ouais, c'est pas le moment. Reste concentré sur même la mission. Voiture, en bleu. Quelle mission? On vérifie juste que les morts sont bien morts. On suit les ordres. J'avais compris déjà. Si on trouve quelqu'un, on repare l'hélico et on contacte le QG. Ils envoient la cavalerie, on rentre chez nous. Allez, les morts. Hé, hey, vous avez entendu ça? Arrête avec tes conneries. Alors là, je suis vexé. Il y a personne ici, mec. On dirait la transmission. J'étais sûr d'avoir entendu quelqu'un. Allez, qu'on en finisse avec tout ça. Hé hey, y a quelqu'un? Faut se montrer, quoi! Laisse tomber, y a personne ici.
Alors qu'est-ce qu'on fout là, putain? Hugo a pas tort. Mais fais demi-tour. Ah tiens, t'es de son côté maintenant? Ah ouais, quand il a raison. L'état-major veut qu'on fouille la zone, alors on fouille. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est du gâchis pour trois beaux et braves soldats de la Delta Force dans notre genre. Je vois plutôt ça comme des vacances. Pour la prochaine fois, moi, je préfère les plages avec plus de filles sexy et moins de cadavres. Lugo, ça t'arrive d'écouter les conneries qui te sortent de la bouche? Non, jamais, chef. Sinon, après, ça casse mon rythme. On fait demi-tour. C'est pas Ghost Recon, quoi, mais pas 4. Vous savez, j'ai vraiment l'impression que vous êtes John Conrad. Bien, je veux qu'on sache comme je suis sexy en action. Je crois que c'est là. La tentative d'évacuation de Dubaï est un échec. C'est bien ce qu'on cherche. C'est pas rassurant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une balise de détresse, mais pas de l'armée. C'est fait avec des pièces détachées. Qui a pu faire ça? Ça a pas la moindre idée. Putain de merde. Walker, tu devrais venir voir ça. Ouais, j'y étais, sous de ma gueule. Oh merde. Ouais, c'est rien de le dire. Il a l'air frais. Il l'est, mais il y a pire, c'est le 33e. Qui a fait ça? Sûrement les types qui nous filent le train. Ça répond pas à la question. T'en fais pas. Je crois qu'on va vite le savoir. Je suis le capitaine Martin Walker. Nous cherchons des survivants. Pourquoi? Pour nous tuer, nous aussi? Vous parlez farsi? On pourrait peut-être mieux se comprendre. Agarintori Harf Bezanim. Bien joué, Lugo. J'ai vraiment peur que ça dégénère, Walker. Sans blague. T'as une idée? Tu vois le bus là-bas? Il est rempli de sable. Au pire des cas, on tire dans les vitres. Ça nous donnera un petit avantage. Ça, vas-y, dégage. Vous deux! Yann, il est damné du 33e. On bouge de là! Putain, c'est qui ce type? Des réfugiés! Des survivants de la tempête! C'est bien, non? Faut prévenir l'état-major. Qu'ils sont au courant. Ne brive pas! Faut bien arrêter de tirer pour te laisser passer un coup de fil! Messieurs, foutez là et tirez un peu! Je dois recharger! Ennemi HS! Sur la gorge, je l'attends par la dune! Je vous couvre, dépêchez-vous! Walker, on est en position! Nettoyez ce bus! Reçu! Compris, je m'en occupe! On continue, par derrière. Grenade! À couvert! Il est planqué où? Le panneau, juste en face. À votre signal, je le descends. Lugo, descends-le. Oui, chef! Ah, je suis en route! Je sur le toit du bus! Je veux visuel de la cible! Cible neutralisée! Encore un jour d'ici! Je suis plus d'un conteneur! Courez vers le conteneur! J'ai l'impression qu'ils sont pas très solides. Walker, la porte! Et qu'on venait sauver des gens. Merde, c'était quoi? Je capte un appel de détresse. Vas-y, mets-le. Centrale du 33e, ici la patrouille Alpha. On est attaqué, je répète. Les insurgés nous encerclent. Je demande soutien immédiat. Ah! Merde! Marcel est mort! Envoyez des renforts! Lugo, distance! Environ une centaine de mètres. Allons-y! Merde, je vois des ennemis! Derrière les barricades! Walker, on peut neutraliser!
pas de vie. Il est protégé, on peut... Cible abattue. J'ai recharge. T'as su faire gaffe. Alpha, si vous m'entendez, on approche de votre position. Après, pour parler question de graphisme... Merci, mon Dieu. C'est un peu compliqué, ah. Ouais. Je crois que Martin est mort. Vous êtes blessé? Y a quelqu'un d'autre avec vous? On est quatre. Je trouve un apocalyptique à mon goût. On va plus tenir très longtemps. Pour pouvoir dire que... Ok, wow, tenez le coup. C'est beau. On arrive bientôt. Ouais, pas trop, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Les types sont coincés dans le fuselage. On n'est pas encore repérés. On devrait prendre les silencieux. Bonne idée. S'il l'a battu, bien joué. Continuez d'avancer. Et en silence. Allez, calmez-vous, laissez-le partir. N'approchez pas où j'étais. Dépêche-toi, Walker. Faut faire... Cible neutralisée. Va falloir vous dépêcher, boss. Il va pas tenir. On est là pour aider. Faut tenir bon, ok? Laissez-moi. Ils ont ma personne. Faut le retrouver. D'accord. Mais vous devez me dire où ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené... au nid. Le nid? Le nid, parfait, bien. Et pour Conrad, il est toujours en vie? Bordel de merde. Lugo, marque les corps sur le tac. Adams, regarde s'il y a des traces. Je veux savoir ce qui se passe vraiment dans cette ville. On a des traces qui vont vers le nord. Alors on les suit. Chasse à l'homme. C'était une mission de sauvetage. Bon, en fait, c'est devenu une mission de chasse à l'homme. Quoi, une mission? Une chasse à l'homme tout court. Quoi. Je veux pas dire, mais ça fait pas vraiment partie de nos ordres de mission.
Ouais, bah on est passé de la reconnaissance au sauvetage quand on a trouvé ces soldats massacrés. Défier les ordres, ça me plaît. Les ordres, ça vaut rien si c'est pour laisser mourir des gens, Lugo. Des corps qui apparu d'un coup. Pareil. Si Conrad est encore en vie, ce que je crois. Je sais qu'il est de mon avis. Les traces s'arrêtent là. Ça doit être le nid. Ouais, typique. Très post-apocalyptique. Il faut dire qu'ils sont en action. Restez prudents. N'oubliez pas que ces types ont éliminé 4 soldats et qu'ils en ont enlevé un autre. Attention, ils doivent surveiller. Ouais, des Intel à récupérer. Okay. Là, sur la passerelle. Abattez-le. Tire synchronisé. Hein? Hein? On se fait attaquer! Ils savent qu'on est là maintenant. Des grenades, un paquet. On dirait qu'ils font des réserves pour l'hiver. On devrait prendre ce qu'on peut. Ça sert à rien de gaspiller. Vite, à couvert! Grenade! J'ai eu! Ah, les grenades, ça passe en bullet time. C'est mal fait, mais... on dirait qu'il transpire. Attention, il se rapproche. Grenade! Menace éliminée! Je crois que c'est bon. Ok, on continue. Cette merde. Ils sont Flash spécial. L'attaque injustifiée d'aujourd'hui sur le 33e signifie, eh oui, c'est ça, la fin du cessez-le-feu. À tous les insurgés qui veulent se rendre, veuillez vous présenter à l'avant-poste le plus proche. Nous reprenons maintenant le cours de nos programmes. C'est parti. Okay. Si vous voulez mon avis, tout ça part vraiment cool. Bizarre, ce délire total. En plus d'avoir des gens ici, ils ont un putain de DJ. Faut qu'on contacte l'état-major, et vite. Non, pas encore. Conrad et le 33e ont besoin de nous. Et ce soldat peut nous conduire à eux. Si le 33e est hors de danger, on demandera une évac. Ouais.
style B, c'est... Ah oui, ok. Ah, c'est pas mal ça. Comment on fait pour se barrer? Ok. Putain, ils sont passés où? C'était trop facile! Ouvrez l'œil! T'en as une par ici. Merde. Fermé. On est coincé. Ouais, comme des rats. Ouais, c'est ballot. Sortie. Faut que je trouve des munitions, ouais, surtout. Hein?
Y'a toi qui penses qu'on devrait réessayer de parler avec eux? C'est vrai quoi, on est venu pour les sauver? Je crois qu'ils s'en battent les couilles. Ces types veulent pas discuter, ils veulent du sang. Lugo a raison. Faut surtout qu'on sorte d'ici et qu'on trouve le 33ème. Avant que ces types les taillent en pièces. Ok, on tire d'abord, on parle après. Compris. On trouve Conrad, il saura nous répondre. Vous avez entendu? Quelqu'un approche. Vite, à l'abri. Du C4? Vous pensiez à quoi? Ils étaient retranchés, monsieur. On n'avait pas trop le choix. Vous avez eu de la chance que tout s'écroule pas. Où est le soldat? Celui qu'on a capturé dans l'avion. En bas, monsieur. Il est sous bonne garde? Oui, monsieur. Bien. Je vais aller le saluer. Agent Questavine, attendez. Quoi? Il refuse de parler. Moi, il me parlera. Walker, ce type est américain. Ouais, j'ai remarqué. Pourquoi les gens du coin obéissent à un américain? Et pourquoi ils détestent autant le 33ème? J'en sais rien du tout. Merde. Tu lui demanderas. Ils sont encore en vie. Tuez-les. Ennemi avec un fusil à pompe. C'est une abattu. Adios. Là, sur le toit. Visez le toit. Gardez un œil sur le toit. On a des ennemis là-haut. Ah. Ah. Je recharge. Tâchez de faire gaffe. Restez vigilants, on doit continuer. Chaque minute qu'on perd, c'est peut-être un soldat de plus qui rentrera chez lui dans un sac en plastique. On a des traces qui mènent à ce conduit d'ascenseur. Voyons ce qui se cache au fond du terrier. Faites attention, les gars. On n'est pas seuls. Pas de doute, quelqu'un a bien vécu ici. Ouais, façon de parler. C'est de la survie.
C'est sûrement comme ça depuis les premières tempêtes. La vie est dure, mais c'est pas une raison pour tuer des soldats. L'Américain qu'on a vu leur a servi de raison. Ouais, mais pourquoi? J'aimerais le savoir. Une poupée. Je vois de la lumière là-bas. Va jeter un œil. C'est vous le chef? On dirait une sorte de campement. C'est probablement là qu'ils ont trouvé l'otage. Allez, suivez-moi. Gardez votre sang-froid. Il y a des civils ici. Joli. Merde, vous voyez ça? Des rideaux en soie, de l'argenterie, du cristal. Ok. Bordel, ces gars se sont fait massacrer. Non, regarde, ils sont alignés. C'est une exécution. Comme les escadrons de la mort à Kaboul. Merde. Ouais. Y'a quelqu'un. Suivez-moi et taisez-vous. On va continuer tant que vous m'aurez pas dit ce que je veux savoir. Combien de soldats sont déployés au dépendant? Vous pouvez toujours essayer, agent. Le 33e devrait plus trop tarder. Les damnés vous sauveront pas. Le 33e a perdu ses couilles le jour où il s'est rebellé. Or dire, on serait toujours en paix si vous aviez pas énervé les gens. C'est à cause de vous qui tuez des soldats. Vous pensiez vraiment qu'on réagirait pas? Bien au contraire. La CIA finit toujours ce qu'elle commence. Eh ben, il va falloir le prouver. Parce que je vous dirai que dalle. Non! C'est quoi ça? Ne tirez pas! Baissez votre arme. J'ai l'air d'un imbécile? Non. Et c'est pour ça que vous allez pointer ce revolver ailleurs. Baissez votre arme, et je ferai pareil. C'est hors de question. Vous vous appelez? MacPherson, lieutenant. Et vous? Walker, capitaine. On a trouvé votre ami dans l'avion. Il nous a dit où vous trouvez. Vraiment? Il est où? Il s'en est pas tiré. Vous parlez d'une surprise. Comment ça? Vous pensez qu'on l'a tué? J'ai pas dit ça. Vous ne dites pas grand-chose, lieutenant. Article 4, capitaine. Vous devez parler à mon supérieur. Bon, il est où? En ce moment, il doit se trouver en bas. Tu m'en diras tant. Il a parlé, il a pas tourné la tête. Je vais aller le chercher. Et nous, on fait quoi? Une crapette? Fouille le corps. Il mentait pas, il était de la CIA. Merde, on avait bien besoin de ça. Pourquoi l'avoir laissé en vie? Je vais pas tuer un soldat américain, Hugo. En plus, il peut nous conduire jusqu'au 33e. Mais sûrement être leur planque. Se planquer derrière des civils? Pas très noble comme tactique. C'est normal pour la CIA. Ouais, mais pas tuer des soldats américains. Écoutez, je connais pas leur nom, ils sont de la CIA. Butez-les! Cible en mouvement! Ripostez! Ennemi en ligne posé! Butez-les! Abattez! Abattez! Je peux pas le rejoindre. C'était des soldats. Des gars à nous. C'était de l'autodéfense. Ça m'en montre pas vraiment le moral. C'était pas le but. Pourquoi pas? Attendez là. Je vois de la lumière, droit devant. C'est notre sortie, on avance. Venez ici! Arrêtez-vous! C'est pour votre bien! Oh putain! Le 33ème en charge des civils! Merde! Ripostez! Mais c'est des soldats! Ils vont nous tuer si on fait rien! Ouvrez le feu! On est la tête à force. On est là pour aider. Putain, mais ça vous dit quelque chose de venir allié? Ah!
savoir que c'est eux qui sont gentils, c'est les méchants. Je croyais que les Américains c'est gentil. Ouais. Ici Alpha 2, je change de position. Ennemi se déplace. Contact ennemi à découvert. Merde, tireur avec fusil à pompe. Ils ont même écrit en français. Ouais. Bon, allez, on continue d'avancer avant que d'autres se ramènent. Vous voulez dire d'autres soldats américains ? Des soldats rebelles. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Si on veut comprendre ce qui se passe, on doit retrouver John Conrad. Pourquoi faire ? John Conrad, je le 33ème s'est rebellé. Conrad ne renoncerait pas à son devoir. Si le 33ème est notre ennemi, je suis sûr que le colonel ne l'est pas. Comment tu peux en être sûr ? Parce que je connais cet homme. Mais si, il transpire. Allez, ouvre-moi ça. Pas de problème. Ralenti. Je cours, je vais recharger. Cible abattue.
abattu. Ok, on continue à descendre. Faites bien attention à l'ennemi. Tireur au fusil à pompe. Un cible se déplace. Concentrez les tirs sur le gars au fusil à pompe. Je me déplace. Putain de merde. Attention, cette tourelle nous attend. En bas. Les munitions, c'est un peu rare quand même. Le bidon, mon gars.
plan d'exécution. C'est déjà bien. Ça y est ? Je crois qu'on est bon. Pour les civils. Le 33e a réussi à en emmener ? Ouais, capitaine. On a besoin de traducteurs pour savoir qu'ils souffrent. Ils disent quoi maintenant ? Ils veulent qu'on s'en aille. On ferait mieux de partir et de laisser ces gens à leur chagrin. Ouais, c'est le moins qu'on puisse faire. Allez. Bon. 54 minutes de vidéo. Je pense que ça sera bon pour une première partie. En tout cas, pas mal, il y a bon d'action dans le jeu. C'est sûr que question graphisme et tout, c'est à revoir, mais bon, c'est pas mal. Je veux dire que c'est pas mal. Donc je vais arrêter là pour la première vidéo et puis retrouvez-moi pour la partie 2. Allez, merci d'avoir suivi cette première vidéo de Space Ops The Line. Et c'était Dieu de la Play. Et n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, bon, il y a plein d'autres gameplays qui peuvent vous intéresser. Merci encore, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye.